Salut à toutes et à tous. S'il y a un joueur au monde, un seul, qui va droit au but, en dehors et sur le terrain, c'est notre personnalité du jour. Ce footballeur est éthostratosphérique. C'est un joueur qui a côtoyé les étoiles, qui est une étoile. Samuel Eto'o, l'indomptable lion. On en parle avec amour. Aujourd'hui, vous et nous, on va faire du neuf avec la carrière du neuf. Merci de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des petits pouces bleus et en commentaire, hein, vous me laissez des petits messages. Le neuf a pris sa retraite en septembre 2019, mais aujourd'hui, vous et nous, nous allons revenir sur l'immense et exceptionnelle carrière de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o, c'est l'un des plus grands joueurs au monde. Il dit, dans le monde, il y a des joueurs qui sont bons. Mais lui, il ne fait pas partie des bons. Hein. Ah non, hein. Déjà, il n'y a pas mieux que Samuel Eto'o pour parler de Samuel Eto'o. Il parle tellement bien de lui. Et il sait le faire. Certains l'ont surnommé Mélon d'or. Vous avez l'impression qu'il a la pastèque, parce que le mélon, c'est petit pour lui. Mais non, simplement, le monde n'aime pas voir des joueurs sûrs d'eux, confiants. Quand vous parlez plus et que les faits ne suivent pas, vous êtes déséquilibré. Mais Samuel Eto'o, quand il parle, il vous présente les faits. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord, présentez votre palmarès aussi. On fait la comparaison. Et puis comme mes frères ivoiriens disent, présentez pour vous, on quitte ici. Samuel Eto'o, il le fait. Et cette aventure commence en 1981. C'est la naissance du jeune Eto'o au Cameroun. Il grandit dans un quartier de Douala qu'on appelle Noubelle. Et c'est là qu'il fait ses premiers pas au football. Un jour, par le plus grand des hasards, le père de Samuel Eto'o se retrouve dans un bar avec ses amis. Et en face, il y a un terrain. Des gamins sont en train de jouer au football. Et le père est impressionné par un mioche qu'il reconnaît. C'est le sien. Samuel Eto'o sur le terrain ne sait pas que son pater est en train de le voir jouer. Après le match, il rentre tranquillement à la maison. Le père lui dit, mais mon fils, je t'ai vu jouer. Je ne savais pas que tu avais un tel talent. Je sais que tu as de bonnes notes à l'école, mais avec ce que j'ai vu au football, je pense que c'est une vocation. Moi, ton papa, je te soutiens. Mais un enfant, on le fait pas seul. Il faut l'avis de la maman. Et donc le père dit à Samuel, ta mère t'inquiète, je m'en charge. C'est ma femme, non? Je vais gérer ça. Et donc le père parle à sa femme du talent qu'il vient de découvrir qu'a leur fils. Et quelques temps après, le jeune Samuel se retrouve en Europe sans papier. Mais entre-temps, au Cameroun, il a fait sa première sélection en 1997 face au Costa Rica avec le Cameroun. Samuel Eto'o est le lion indomptable du Cameroun. C'est 118 sélections, 56 buts inscrits et 18 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Bref, il se retrouve en Europe sans papier à Paris et comme il est déterminé, en quittant l'Afrique, il dit « Je veux être le meilleur, je veux devenir le meilleur joueur au monde. Pas l'outsider, je quitte l'Afrique là. C'est pour être le numéro uno. » Il arrive en Espagne. En Espagne, au Real de Madrid, on ne lui fait pas trop confiance, hein. Il est prêté à 3 reprises. Et c'est à Mallorca, entre 2000 et 2004, qu'il s'affirme comme avant-centre. Il marque de beaux buts, il fait de beaux matchs et surtout, grâce à son talent, ses performances, ce club arrive à se démarquer, à se maintenir. Et en Espagne, tout le monde commence à parler de ce jeune Africain. Entre 2000 et 2009, il débarque au FC Barcelone. Le monde entier découvre qui est Samuel Eto'o. Vous vous souvenez de cette équipe des années 2000 avec Thierry Henry, Ronaldinho, Deco, Carles Puyol, Victor Valdés, Xavi, Iniesta, que du beau monde. Samuel explose. Il remporte 2 Champions League, Supercoupe, Liga, Pititi 2006. Meilleur buteur de la Liga en 2006 avec 26 buts, 26 réalisations. C'est ça Samuel Eto'o. Il dit « Je suis Samuel Eto'o ». Et quand Pep Guardiola succède à Frank Rijkaard, ce dernier vient avec ses ambitions. Dans son collimateur, il a Deco, Ronaldinho et bien sûr Samuel Eto'o. Il n'en veut pas. J'aime comment Samuel Eto'o raconte cette anecdote. Il proposera à Thierry Henry d'ailleurs, « Dis donc mon Thierry, à partir d'aujourd'hui, tu porteras le dossard 9 et Samuel va récupérer le tien. Lui, il prendra le 14. Bah, tu n'as rien content. »
Et Samuel, c'est une forte personnalité. Il a beau être un mec gentil, un mec sympa, mais il a un caractère bien trempé. Il ne se laisse pas faire parce que les résultats parlent pour lui. Il dira à Guardiola, dans cette équipe-là, si tu as besoin de gagner, tu as besoin de Samuel Eto'o. Parce que c'est Samuel Eto'o qui fait que l'équipe gagne. Donc, tu dois composer avec Samuel Eto'o. Même on essaie de le plaquer et tout. Mais quand on le fait entrer, il profite de ses 20 minutes. Si le but n'est pas de me laisser sur le banc, moi je sais que je suis le numéro uno. Donc, les 20 minutes que tu vas m'accorder pour jouer là, je vais te démontrer qui est Samuel Eto'o fils. Eh bien, c'est ça Samuel Eto'o. Les cris de singe dans les tribunes ne l'influencent pas, ne l'intimident pas. Les mauvais coups, ça ne l'inquiète pas. Il rentre balle au pied, il est vif, rapide. Il a une très bonne lecture de jeu. Et c'est pour cela qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il remporte donc 2 Champions League avec Barcelone. Il a fait ses preuves en Espagne. Il côtoie les étoiles, mais lui-même est une étoile. Alors, quand on ne veut plus de lui, on lui montre la porte de sortie. Il y a un certain José Mourinho, the special one, qui a besoin de lui à l'Inter de Milan. Il a des ambitions pour ce club qui veut retrouver ses lettres de noblesse. Et José Mourinho, qui est une forte personnalité aussi, qu'on adore dans le football mondial, pense à Samuel Eto'o. Il lui passe un message simple. Il lui dit, Eto'o, je t'envoie une photo. Il lui envoie une photo avec un maillot floqué du numéro 9. Tiens, il est à toi. Le message passe très vite. Samuel Eto'o arrive en Italie et il fait comprendre à Moratti, le président de l'Inter de Milan, papa, je suis là pour faire gagner l'Inter de Milan. Et aux côtés de Zanetti, Materazzi, mais il s'est illustré aux côtés des Milito et consorts. C'était une équipe combative. Une équipe que personne n'attendait. Samuel Eto'o, c'est un joueur très ambitieux. Il était là pour gagner. Il a l'esprit de la gagne. C'est ce qui l'a animé tout au long de sa carrière. Il arrive là et il gagne. Le championnat d'Italie, la Supercoupe et la Ligue des Champions. Samuel Eto'o, c'est 3 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Et il faut le faire. Après, c'est d'autres ambitions. Il a d'autres envies. Il signe en Russie, à Angers Makhachkala, pour le chèque. Il finira donc finaliste du championnat russe de football. Puis après, il revient en Europe, Everton, Chelsea. Et à Chelsea, il retrouve un certain José Mourinho. José Mourinho, dans une interview, en fait, c'était en off, mais ça s'est retrouvé partout, hein, dans les médias. Quand ça ne va pas, il faut bien responsabiliser quelqu'un. Il déclare à la presse qu'il n'a pas d'attaquant. Et on lui parle de Samuel Eto'o. Il dit, mais Samuel Eto'o, il a peut-être 32, 33 ans, on ne sait pas trop. Il est vieux. Et comme Eto'o aime les défis, il a gagné presque tous les paris de sa vie, il dit, ok, le vieux sur le terrain, il va vous prouver qu'il est encore jeune. Et voilà, il inscrit un but, il répond. Eto'o, c'est le répondant. En dehors et hors des terrains. Les petites phrases, les petites piques, c'est lui. Mais c'est surtout quelqu'un qui sait répondre au présent lors des grands rendez-vous. Quand on l'attend. C'est ça un grand joueur. Il rentre sur l'aire de jeu dans l'optique de gagner, pas de perdre. Il ne vient sur le terrain que pour gagner. Et c'est cet esprit qui a animé la carrière de Samuel Eto'o. En Afrique, il a remporté 2 Coupes d'Afrique. Il a remporté une médaille d'or olympique en 2000 avec la sélection olympique du Cameroun. En 2000 et en 2002, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables du Cameroun. Après quelques déboires avec la sélection, il est rappelé par le président de la République pour soutenir les Lions. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme il fallait. La sélection camerounaise est éliminée par le Cap-Vert. Et Samuel Eto'o ne se laisse pas abattre. Il a d'autres aventures qui l'attendent en Turquie. Il était annoncé avant sa retraite au Qatar. Il aurait même pu continuer de jouer, mais aujourd'hui, c'est d'autres aventures encore qui l'attendent. Mais Samuel Eto'o, c'est un bagou. C'est un caractère trempé. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas défaire, qui ne se laisse pas abattre, qui ne se laisse pas faire. Samuel Eto'o croit en lui. Il sait qu'il est. Il savait où il voulait aller. Et il y est parvenu parce que c'est un grand. Et les grands ont une vision. Les grands savent où ils mettent les pieds. Et les grands sont des champions. Aujourd'hui, après tous les millions qu'il a amassés de par le monde, il est prêt à soutenir les jeunes Africains qui ont des projets pour que ensemble, on puisse faire quelque chose de grandiose pour notre continent qui nous a tant donné. Samuel Eto'o, quand on l'attaque, il vient, il se défend, il répond. La preuve, on a assisté ces derniers temps sur les réseaux sociaux, à ses pics, face à Eladi Diouf. Diouf dit qu'il est le joueur le plus talentueux. Il dit, calmez-vous les jeunes, que ce soit vous, Drogba, mes frères. Je suis le meilleur joueur au monde. Et ça, on le sait. J'ai 4 ballons d'or africains. Le seul à le concurrencer sur ce terrain-là, c'est un certain Yaya Touré. Il aurait pu, Samuel Eto'o, remporter le ballon d'or européen. Malheureusement, le sort, on l'a décidé autrement. Mais on sait qu'il est grand.
Eto. Et souvent, il dit, si je m'appelais Eto Signo, c'est brésilien, certainement que j'aurais remporté le ballon d'or. Parce que si on arrive à donner le ballon d'or à un certain Cannavaro, Samuel Eto'o le mérite. Le but, c'est de soutenir les nôtres, Samuel Eto'o, pour tout ce qu'il a apporté au football africain. Samuel Eto'o, comme je le disais, c'est les petites phrases. Ces derniers temps, il se prépare donc à entrer à Harvard, préparer un diplôme de gestion pour bien gérer ses affaires, certainement. Mais son bagou, il ne l'a pas mis en poche. Il s'exprime sur les réseaux sociaux. Et de nombreuses personnalités en ont fait les frais de son franc-parler, parce qu'il dit les choses, il dit ce qu'il pense. Il s'exprime simplement quand on l'attaque, quand il y a des causes qui lui tiennent à cœur à défendre, en ce qui concerne le Cameroun, en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne l'intérêt des footballeurs africains, il répond présent. Que ce soit pour attaquer un médecin qui préconisait des vaccins contre Covid en Afrique, Samuel Eto'o répond présent. Quand il s'agit de défendre son ancien coéquipier qui est qualifié de champion du monde antillais, je parle de Thierry Henry, Samuel Eto'o répond présent. Quand il s'agit de décrier de ce qui ne va pas dans les instances du football camerounais, Samuel Eto'o répond présent. Un grand homme, on le reconnaît par les actions qui accompagnent chacune de ses paroles. Et Samuel Eto'o, on peut voir ses réalisations, on peut voir son palmarès, toutes ces choses parlent pour lui. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour présenter qui il est. Mais comme pour redonner de la force, pour redonner du courage, de la confiance aux jeunes Africains, il faut s'affirmer. Et il sait se vendre, il sait s'affirmer comme l'un des plus grands joueurs au monde, comme le meilleur joueur africain. Il sait le faire, il sait se vendre. Samuel Eto'o a d'autres projets. Certainement, on le reverra en tant qu'entraîneur dans les instances du football pour porter encore plus haut le flambeau de l'Afrique. Avec son caractère comme on l'aime, bien trempé, joueur prolifique, talentueux, Samuel Eto'o déclare « Le foot, c'est comme aller au théâtre. On a envie d'aller au stade pour assister au spectacle, regarder du beau jeu. Le foot, c'est comme le théâtre, on baisse le rideau. Merci pour cette carrière immense. Chapeau, l'indomptable Lion. »